mon papa, quand il était encore vivant, il m'avait dit des choses que je devais conserver dans ma vie. Et moi, je lui avais dit, papa, quand je serai grand, moi, je serai grand destinataire, j'aurai une grande maison et je ferai des voyages. De faire un carnet de voyage sur Paris. Alors, le résultat de ce carnet, ce n'est que la concentration de mes vécus. Je connais Paris depuis longtemps, je connais. Mais je l'ai fait avec l'esprit de quelqu'un qui vient pour la première fois. Dans le tableau, j'aime la couleur. Je fais comprendre que tout ce qui nous entoure est couleur. Tout le monde a une couleur. Mon carnet aura la couleur dominante rose-bleu. Même de lieux où il n'y a pas ce genre de couleur, et moi, dans le carnet, c'est ce qu'on verra. Parce qu'il faut qu'on change un peu l'atmosphère là où il y a gris, tout le temps du gris, et qu'on voit que quand même, c'est maintenant mouvementé avec des couleurs de rose-bleu. Voilà. Je me mets dans la plupart de mes tableaux pour éviter des ennuis. Pendant que je prenais n'importe qui au centre de mes tableaux, il y avait des gens qui se retrouvaient, qui me portaient des ennuis. Alors pour éviter tous ces ennuis, c'est pour cela que je me mets moi-même en citation. Je suis quelqu'un qui n'aime pas me regarder, mais quand je me peins, je peux me faire plus beau que je le suis. Et si je prévois comment je deviendrai vieux, ça je peux l'exprimer déjà dans ma peinture, alors qu'avec la photo, jamais ça n'arrivera.